Tadjazou, qui m'appelle? Qui veut me voir? Mais qu'est-ce qui se passe? Oui? Avec du vin et des croissants, tout de suite, le petit déjeuner devient magique. Vous ne vous souvenez pas de cette pub des nuls? Elle était juste mortelle. Et donc, on se retrouve pour un troisième épisode streamé sur. Bah, vous le voyez, hein, petit déj oblige, je vous ai préparé un œuf. Et là, à côté, cette petite boule noire, tout énervée, c'est Chechel. Chechel, dont on suit les aventures depuis trois épisodes dans The Big Game of Ski, qui sont plutôt désopilantes et complètement décousues, et sur lequel on va retourner aujourd'hui, voir quelles misères peuvent nous réserver ces intrigantes aventures. Allez, feu flamme, envoyons la purex. Oui, alors on me dit en régie, tu n'as toujours pas activé le curseur, mon bonhomme. Alors ce que je vais faire, je vais chercher au début du stream, hein, comme ça, pendant qu'il y a la musique et que vous vous mettez en place, là, vous allez chercher des petits gâteaux, un petit jus de fruits tranquille, vous vous installez peinard, quoi, pour être devant le stream. Moi, je vais chercher à faire réapparaître ce damné curseur, comme ça vous verrez exactement ce sur quoi je clique. Parce que c'est vrai que les deux streams précédents, vous voyez les actions, mais vous ne voyez pas où j'appuie. Alors. C'est incroyable, j'arrive pas à retrouver cette option. Je suis probablement en mode boulet. Alors j'en ai une ici, mais je crois pas que c'est la même. Vérifier ça. Bon, vu que la musique est casse-bonbon au bout d'un moment, hein, vous me pardonnerez le fait qu'on n'ait toujours pas le curseur. Mais on va y aller. Donc je me retrouve ici et j'ai toujours ma cerise à récupérer, car je vous rappelle que Chuchel est complètement accro à sa cerise, comme Scrat est accro à sa noisette. Depuis le début des aventures, il y a un petit binôme qui est intervenu tantôt pour semer le chaos, tantôt pour me filer le coup de main. Et là, je viens d'affronter Monsieur Squelette. Monsieur Squelette qui vient de nous faire un malaise et qui nous a fait je ne sais pas quoi. J'espère que je n'ai pas tué la mort, ce serait quand même dramatique. Non, pas la cerise, elle est à moi. Pas mon chapeau, putain! Quelle ambiance! Alors, nous nous retrouvons donc pour un nouveau tableau énigmatique. Avec ma cerise en cage, je suis tristesse. Alors, je ne peux bien entendu pas la choper. C'est ça qu'on reconnaît un bel intérieur, c'est quand le mobilier est fixé. Alors je vous rappelle que le stream est tout public, hein. C'est-à-dire que vous pouvez amener les mômes, il n'y aura pas d'énormité. Ça va se passer vraiment paisible. Et ce jeu-là, si vous craquez dessus, bah déjà d'une, vous ne seriez pas sur cette troisième partie, parce que je vous l'ai dit, spoiler, c'est complètement débile de se faire révéler les solutions d'un jeu qui va vous éclater probablement. Donc, interdit de regarder plus loin si vous comptez choper le jeu. Maintenant, si vous faites partie des petits gars qui sont tranquilles dans le canapé et qui ont préparé 2-3 trucs pour se décontracter, effectivement, je comprends que vous ne ferez pas le jeu et que vous avez envie de voir
toutes les conneries imaginables que réserve Chechel. Moi, je veux bien ce chapeau. Ouais, mais regarde, avec la douche, tu peux te faire pousser. Non. Oula, 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 qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. C'est du pur nawak. Oui? Hé les gars, c'est moi. En bas, en haut, à gauche, à droite. Tout va bien. Vous êtes dans The Big Gamowski, la chaîne des Midlife Gamers. Et vous allez de ce pas aller chercher votre carte bleue. Non, je déconne. Bon, on fait quoi maintenant? Voilà. Alors, je sais pas. Quand je clique. Ah, ça y est. Donc, lécher le. On va dire que c'est pas une sanisette quand même, ça, ce truc-là. C'est. Bah. Ça a quand même l'air d'être un truc qui est fait pour pisser. Hein. Je veux pas être désagréable, mais. Non, touche pas. Non, je touche le pas. Touche le pas. Je n'ai pas besoin d'indice. J'ai ma fierté. Je vais essayer cette autre galure. Salut. Il a pas l'air super sympa ce bonhomme de neige. Sérieusement pas commode. Bon, on va retourner avec l'autre galure. Parce que j'ai pas touché cet interrupteur. Et quand il y a un bouton, tout le monde sait que le bouton est fait pour ne pas être touché. Ok. Oui, d'accord, j'ai compris. Wow.
Faut pas tout compris. Alors, la radio, nous l'avons allumette, ça. Nous avons pris une douche. Ça n'a pas changé grand-chose, d'ailleurs. Il y en a un qui doit boire, et lui... Nous allons laisser ce charmant soliste et basculer dans l'autre chapeau d'hiver. Oui, on va dire que c'est un chapeau d'hiver. Ah, nous allons retrouver Tom Wetz son pingouin. Alors là, il faudra que... Et bien ça se tripote ça. Alors. Il veut pas. Il veut pas. Je suis ennuyé. C'est pas gagné à mon avis. Bon, apparemment, j'ai pas trouvé. J'aime bien toucher les couches, les boutons qu'il faut pas. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. Bon, je crois que j'ai déverrouillé un succès, ça doit être juste ça. Ça me dit toujours pas quoi faire avec notre ami Caquetu. T'as poil longué, non? Alors je pige vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est là que j'aurais dû mettre le retour du chat. Peut-être que les gens qui regardent le stream auraient des idées à suggérer. Ok.
En fait, depuis le début, je me gourre avec la douche, il fallait pas boire, il fallait. Enfin, il fallait pas se doucher, il fallait boire l'eau. Alors, une fois que tu as bu de l'eau, tu fais quoi? En général, eau et froid, ça fait de la glace. Donc, on va vite aller faire des glaçons là où il fait froid. Des glaçons ou des flies. Je crois qu'il faut que je le refasse. Je n'ai pas pissé où il fallait. Bon, c'était probablement pas ça. Bon, l'autre, il a récupéré du monde dans sa boule. Alors, qu'est-ce qu'il manquerait à faire? Bon, je vais aller pisser un petit peu sur tout le monde. Je commence à y prendre goût. Mais je ne peux plus, je ne peux plus boire de la flotte. Ok. Bon, ça c'est check. La musique qu'on a fait, ça c'est check. J'arrive pas à me débarrasser de ce damné truc. Y a un truc que je comprends pas. Faut que je fasse danser le cactus. Ok.
Alors. Ah, c'était tout bon, je suis dégoûté. Non, c'est pas ta planète, gars. Tu vas où, là? Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, j'insiste, faites ce jeu avec les mômes. Parce que je pense qu'il y a de quoi se taper la bonne soirée. Note pour plus tard, la musique n'adoucit pas les nerfs. Je vais te péter ta gueule. Et rentre chez toi, c'est l'extraterrestre. Bon, mais se garer sur une cerise en plus, on n'a pas idée. C'est le défilé des extraterrestres aujourd'hui, apparemment. Ouais. Ah!
Ah, enfin une solution adaptée. Non! Il a pas marché sur le bon, quel client. Note pour plus tard, acheter des lunettes au T-Rex. Oh, Bourbon Box classique, écoute, c'est ça. Eh oui, le rhume des foins, pour se débarrasser des extraterrestres, enfin! Pas gagné, moi je vous dis, c'est pas gagné. Ça va durer longtemps avec moi. C'est n'importe quoi. Je crois que je l'ai eu. Je suis pas sûr. Thank you.
Ok. Alors, je sais pas trop ce qu'il faut faire maintenant avec mon nuage, là.
J'ai pas très très compris ce qu'il fallait faire. C'est pas très explicite. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh oui. Parce que tout à l'heure, il m'a demandé de viser à côté quand même. Maintenant, tout va changer. Méfie-toi des coccinelles, mon ami. Non! Hop là, donc on va pas continuer plus loin ce stream, j'en suis où? On a fait les trois quarts du jeu. Si vous voyez la petite barre en bas avec les où je fais clignoter, c'est apparemment la progression. Donc on a fait les trois quarts du jeu en stream. On a fait quasiment 50 minutes plus 30 plus là, on en est à 40. On a deux petites heures réglementaires. Oui, bon, ça fait un jeu qui va se boucler en 2 heures, 3 heures maxi. C'est pour ça que à l'intro du stream, je vous avais préalablement dit. Méfiance niveau durée de vie et puis niveau jouabilité. Je pense qu'une fois qu'on connaît les gags, bah si, on peut s'amuser à essayer toutes les conneries différentes combinables. Mais bon, il y a une rejouabilité médiocre, faut admettre. Donc c'est pour ça que c'est vendu à petit prix. Ceci dit, pour une partie de fou rire avec des potes en famille un soir à regarder ces énormes conneries, moi je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Donc, je suis content de vous avoir fait découvrir ce jeu. S'il vous plaît, foncez, il est dispo donc à moins de 10 euros sur les plateformes dématérialisées. Et puis voilà, on aura fait le tour. Je ne vais pas le spoiler jusqu'au bout, c'est complètement inutile. Et puis, on ne gâche pas les surprises de fin, c'est sacré. Sauf si on prévient qu'on va faire le run en entier dès le début. C'est fini pour The Big Gameoski du jour, je vous retrouve demain à 19 h pour un nouveau stream avec des. Je veux vous l'entendre dire, avec des. Allez, plus fort, avec des boulettes. Et oui, on va retourner schmupper un peu, parce que c'est vrai que ça me manque de temps en temps. Je ne vous dis pas le titre, sachant que dans mes archives, si je réfléchis bien, on a aussi bien du bon que du très mauvais, quoi. Vous verrez bien ce qui sort demain. Rendez-vous à 19 h sur ce même canal. Ciao! Oh.
Mouah.